la guerre ne meurt jamais. Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fringuy. Aujourd'hui on est sur Fallout avec Fringuette. Et écoutez, on va aller voir tout de suite comment ça se passe. Allez, on fonce. Et ben voilà les petits loulous. On est à la mine de Blackwater, je m'excuse. Je me suis découvert plusieurs fois parce que le niveau était un peu trop élevé. Mais je ne sais pas ce que ça va donner cette fois-ci. Donc on va quand même faire un saut. On va récupérer l'astron, ça me plaît. On va aller dedans pour voir à quel niveau ils sont, en espérant que ce soit pas trop ça. Parce que je me suis déco-reco, je m'excuse. C'est pas de la triche, mais j'essaie d'avoir un niveau correct hein, quand même. Quand il y en a un. Parce que là, logiquement, avec la campagne de rouge, je devrais être quand même pas mal. Et manifestement, ces méchants monsieur sont au niveau 40. Dernièrement, c'était au niveau 40. Donc s'ils sont au niveau 40, je vais te faire éclater la gueule. Quelque chose de... comme il faut. Vous voyez comment? J'ai changé mes armures vite fait. Donc on va aller jeter un œil quand même. J'ai rechangé mes armures. Je suis passé au niveau 30. Mon armure assistée, excavatrice, j'ai démonté. Je l'ai vendue par erreur. J'ai fini de la vendre. Et j'ai enfin ma T51 niveau 30, je crois bien. Mais vu que je suis au niveau 30, c'est très bien, je pourrais l'utiliser, mais bon. On l'utilisera que pour les bombes. Pour les bombes nucléaires. Vraiment pour les cas exceptionnels. Et puis autrement, on fera des armures. La prochaine armure vraiment sympa, c'est la marine, mais on n'a pas encore. Hein. Je vais prendre juste le truc à fusion. On n'est pas encore au niveau... on n'a pas les plans encore, et puis on commence pas tout à fait à les looter tout de suite. Donc on va aller... Là il y a un gars qui est déjà passé, il les a massacrés, c'est très bien. Nous allons voir notre petit monsieur là, on va voir le niveau qu'ils ont. J'espère que je ne me fasse pas éclater. Erreur de détection, le système est actuellement hors ligne. Autorisation refusée. Ok, on est dans la mine de Blackwater, les petits loulous. Et puis, eh ben, on va faire notre mieux. Hein. Si c'est vraiment trop tendu, on essaiera de faire vite. On va dire, on va essayer de faire vite. Ah, il y a des holodisques, on va écouter. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On va écouter Freddy Long et après l'autre. Allez. Donc, j'ai trouvé cette vieille holobrande. Je sais que c'est stupide. Tu peux plus m'entendre maintenant. Peut-être que c'est plus pour moi. C'est juste que tu me manques, Lucie. Beaucoup plus que tu peux imaginer. Et je peux pas m'empêcher de me sentir responsable. Allait allumer les canons à neige et je savais que t'aimais pas skier. C'est pour ça que je t'ai pas dit que j'y allais. Oh, je croyais que tu m'en dissuaderais. J'aurais dû te le dire finalement. On est toutes les deux des fortes têtes, mais l'une d'entre nous aurait abdiqué. Et on serait encore ensemble à l'heure actuelle, d'une façon ou d'une autre. Ces gens avec qui je suis ne nous comprendraient sûrement pas. Il a fallu
Luc. Je suis encore plus forte qu'avant. J'ai dû voler, tuer, pire encore, cacher qui je suis réellement derrière ce masque. Je suis en vie, certes, mais qui suis-je désormais? Est-ce que je suis encore la même Alfreda que tu as connue? Est-ce que tu m'aimerais encore? J'espère que tu comprendrais. Il faut être forte pour survivre. Et si ça veut dire jouer les durs et mener une bande de monstres pour traquer les faibles, alors, il n'y a pas le choix. On dirait que les garçons vont bientôt rentrer. Je ferais bien d'y aller. Remettre mon masque de dur à cuire. Oh. J'aurais voulu que les bombes ne t'emportent pas loin de moi, Lucie. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Eh ben, Léon, c'est déprimant leur truc, là. Tous en train de pleurer. On va écouter l'auto le disque, hein, vu qu'on y est. On a bien noté c'était lequel. C'est Blackwater, Blackwater. J'ai peut-être pas vu Blackwater. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Attendez, les pistoles. Allez, oh, au niveau 21, quand même. Hein. Oh, j'attendais des minutes, là, que je puisse mettre mon nom au disque, ça va être. Hein? Il y en a un manifestement qui vient de balancer une bombe. Ah, ouais, alerte tout à fait. À tous les citoyens. Frappe nucléaire imminente. Veuillez quitter la zone dès que possible. Ah ouais, elle tombe juste à côté de chez nous, ça c'est nickel les petits loulous. Enfin c'est nickel, ça va pas m'aider, ça va pas m'aider à grand chose, mais faut que je regarde. Recherche développement, Freddy Long, c'est ce qu'on vient d'écouter. On a tellement de ces putains de ces solo disques là. Ah, c'est là, une de Blackwater orientation. Allons-y, on écoute. Si le contre-maître Ibs, département de l'énergie des États-Unis. Si vous entendez ceci, alors bienvenue. Et tout le tralala. Je suis sûr que les types des ressources humaines vous ont tout expliqué. Mais il y a une chose qu'il faut que vous reteniez absolument. Alors je vais vous l'expliquer encore une fois. La mine de Blackwater est un site d'uranium gouvernemental. Ça veut dire que vous êtes un employé fédéral désormais. Et que toutes ces vérifications de votre passé et autres entretiens de sécurité n'étaient pas là juste pour faire joli. Tout problème de rendement est un problème de sécurité nationale. Ça se traduit directement par un missile en moins ou moins de carburant pour une usine. Le département de l'énergie n'est pas là pour plaisanter. Et moi non plus. Alors arrêtez d'écouter cet enregistrement et retournez au travail. Allons mettre des coups de pioche dans des rochers qui brillent et espérons que ça nous rende pas stériles. Oui chef, d'accord chef, on y va chef, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ouais, c'est nerveux, il est nerveux monsieur. Ouh, étagère, ça c'est très bien. D'habitude, je ne monte jamais là. Hop là, j'ai failli m'embrochailler comme une saucisse. Bon, manifestement, il y a déjà un gars qui est passé. C'est du matos. Bah, écoutez, on va le prendre, hein. Je suppose qu'il avait sûrement rien à faire avec tout ça, donc il a tout laissé. Des missiles, un lance-missile. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée de les prendre parce que je vais m'en trouver en surcharge comme un mulet. À niveau 40. Ça risque d'être un peu tendu, on va se les faire, mais... Tiens, on a... Donc... On va peut-être prendre la 50, hein. Je crois qu'on va prendre la 50 et on va arroser tout ce qui traîne, parce que... Oh.
T'en bouge pas, garçon. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Oh. Fusil à pompe alors. Qu'est-ce qu'on pense? Grenade là-bas, allons-y, comme ça, comme ça. Voilà. Ah, manifestement, ils sont tous du bon. Oh, je crois qu'on va être obligé de faire la 50 parce que là, tant que ça recharge, je vais mourir, les petits loulous. Donc c'est bien, on va faire quand même une petite session un peu tordue. Ça va être tendu. Mais on va bien se marrer, je crois. Bien sûr, si je n'ai plus de bouffe. Moi, de toute façon, moi, je suis un cannibale, je peux tout bouffer. Alors, mon chraguette bouffe tous tes cadavres que tu viens de faire. Comme une saloperie. On va recharger tout ça. Voilà, là, par contre, des missiles, j'en vais avoir des lance-missiles et des missiles. Hein. Le petit loulou comme prévu, vu qu'on n'a pas vraiment ce qu'il nous faut, on va prendre un lance-missile. Vu qu'on a des missiles, on en aura à gogo des missiles. On en a combien? 7. Et puis on va leur éclater la tête à coup de missile. Hein, on va faire ça à la primate, à la sauvage. Je suis presque bon, hein, on bouffe. Alors on va continuer de bouffer. Je sais pas pourquoi je m'emmerde à avoir des conserves, hein. Je vais pas bouffer ce cadavre. Un cannibale. On va prendre tout ce qui traîne. Bon, je prépare mon lance-missile. Prochain qui vient, je lui mets une bastos. Compte sur charge, attention. J'aime bien cette mine. Tu prends loot à faire quand... Oh, on va te rouvrir très vite parce que là j'ai entendu un lascar qui s'amène. Voilà. C'est pour qu'il y ait personne avec moi. Non, c'est bon. Où ça? Alors, on va par là, garçon. Je vais mettre une... Oh putain, mais lui aussi il en a un. On va régler ça au lance-missile, tu vas voir comment ça va le faire. 38, j'en veux pas, du 50, je veux bien, s'il vous plaît. Je suis rechargé. Merde. Ah, il est là, l'enfoiré. Ah, merde. Oh, zut. Flûte. Cacaboudin, je suis mort. Ah, voilà les petits loulous, comment ça se passe dans la mine de Blackwater. Par contre, il y a encore des bestiaux là. Alors, c'est pas grave, hein, on va leur mettre la bastos. Hein. Moi je voulais garder pour ceux qui étaient dedans, mais manifestement ils préfèrent faire ça là-bas à la sauvage. Alors on va faire ça à la sauvage. Hein. Hein, tant qu'à faire. Écoute, ils sont quand même super costauds. Hein. Bon, je vais me tirer très vite parce que là, ils sont en train de me faire mal. Hein. Allez. Ouais, bien sûr, j'ai un peu de chargement. Ouh là 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 là. Bon alors attendez, faut que je remette mon...
que j'ai plus de missiles, faut que je remette mon 50 parce que. Le tordu là, va falloir qu'il s'arrête là, un peu de s'énerver. Là, malheureusement, je vais être obligé de faire, un carnage. Hein. Voilà. Donne-moi. C'est encore rien ça. Le ragondin là. Oh. Bon écoutez, vous voulez mourir? Eh ben écoutez, on va régler ça au couteau parce que vous commencez à vous gonfler, ramène ta carcasse, toi ici aussi, tu voulais venir me faire chier. Viens, ramène, allez, viens. Saloperie là. Oh. Si on fait pas de XP les petits loups, moi je sais pas comment hein. Ouais mais ils sortent d'où tout cela là. Oh là là. Ouais pas de quartier les petits loulous, on va tous les massacrer puis c'est tout. Ouais, j'ai vu un collègue. Ah, j'ai vu un collègue. Ah. Salut collègue, hein. Tu m'as vu. Alors si garçon, tu me les as massacrés, c'est très bien. Ah, c'était tendu là. Putain, et... On fait chier ces trous du cul là. Bon moi sur le coup j'ai besoin de. J'ai besoin d'aller à ma mine là. Je vais récupérer mon stuff et tout, là je suis en super surcharge, j'ai des missiles, j'ai lancé des missiles, un tas de conneries. Je sais pas où il est parti. Il est parti où Marcel? Il est reparti. Bon, par contre s'il rentre avec son niveau, je vais me faire des piottes. Bon, de toute façon faut que j'aille récupérer mon stuff. Hein. Donc, faut que je me prenne un peu de médoc quand même, parce que là je suis pas trop bien en forme. Faut que je me monte mon niveau. Pas griffe, soyons fous. Bon, je vais recharger toutes mes pétoires parce que. Il est encore là. Voilà, par contre, ça va être à la 50, ça va perdre notre temps pendant une heure dehors. Voilà, mais. Tu le fais au camion, le camion va me péter la gueule. Qu'est-ce que c'était ça? Putain, j'espère que c'est pas une des quêtes du gars. Parce que quand vous voyez les petits loulous, les putain, j'espère que c'était pas la quête du gars. Parce que quelquefois il y a des gars qui viennent, ils font leur quête et tout, puis bah il y a du loot, mais je sais pas ce que j'ai looté là sur le coup. J'espère que c'est pas ce qu'ils cherchent, parce que. Faut des secrets, non. Parce que le fois, si on peut leur piquer leur loot sans faire clé, exprès. Clé de mineur, c'est peut-être ça, non. Ah, merci, merci garçon. J'espère qu'il a pas... Il est pas... J'espère que je vais pas piquer ça. J'espère que je vais pas piquer son loot. Hein.
Il est où? Ah. Hé, hey, attends, garçon. C'est pas ce que tu cherches, là? Attends, bouge pas. Ça, là. Oh, mais je peux pas l'acheter, merde. Hein? C'est pas? Bon, écoute, c'était cool d'être venu m'aider. Il est... Je vais chercher son truc. J'espère que c'est pas ça que je vais... J'espère que je vais pas piquer son truc, hein. Ça c'est chiant ça les amis, hein. Faut faire gaffe à ça. Celui-ci j'en ai vraiment pas besoin, donc c'est bien non plus. J'espère que c'est pas ce qu'il cherche, hein, parce qu'autrement... Là je serais désolé les petits loulous de leur piquer ça sans doute. Hein. Faut faire gaffe à ça. Allez les petits loulous. On est de retour, je vais choper mon loot. Je vais choper mon stuff. Quand faudrait que je recharge vraiment toutes mes pétoires là parce que je sens que ça va être un peu désespoir. Si l'autre il m'attend là en haut. Bien sûr qu'il m'attend là en haut. Calibre. On va récupérer tout ton truc. Voilà. Qu'est-ce qui m'a resté grenade? Ah putain, pourquoi je suis... Je vais mettre mon masque à gaz parce que j'ai l'impression que je suis pas performant. Ah, petit enfoiré là. Ah, le petit salopard. Ramène ta gueule par là. On va pas perdre de temps, les petits loups. Hein. On les arrose à coups de mitrailleuse. Aujourd'hui niveau 40, moi j'ai du 50. Voilà. J'espère qu'ils seront contents. Par contre, les munitions le partent comme du beurre. On va le bouffer vite fait. Il a de la chance, hein. J'ai pas des grenades là qui traînent. Tempête parfaite, c'est bizarre que j'ai tempête parfaite d'ailleurs, je devrais pas l'avoir ça. Mais bon, tant pis. Bon, alors on va essayer de recharger ça correctement. Oh putain, il y en a allumé sans l'avoir. Alors on va prendre le gros calibre. Chargez à soi s'il vous plaît. Putain, c'est tellement dommage que j'ai pas mis. Oh. Ça un peu plus loin. Quand il me reste plus grand chose en munitions. Hein. Allez, pourtant, ça serait plus ça, certainement. Hop, merde.
de munitions. Bien sûr, faut. Allez. Efficace le fusil laser, cette affaire. Autant pour les robots que pour les méchants. Voilà. Vu qu'on a plus de loup, on va mettre lance-missile. Tac, voilà. Qu'est-ce qu'on a de bon à récupérer là? Oh. Une Black Matter Innovation. Allons-y, on écoute. Ici le contremaître Ibs, département de l'énergie des États-Unis. La mine de Blackwater a bien changé au fil des ans. Nombre d'entre vous savent déjà ce qui se passe lorsqu'un tunnel minier atteint une nappe d'eau. Alors les pompes ne devraient pas trop vous surprendre. Mais oui, histoire de couper court aux rumeurs, nous essayons également de nouvelles méthodes pour atteindre ces précieux rochers. Et oui, ça implique de fondre l'uranium alors qu'il est encore sous terre et de le siphonner. C'est sûr que si ça marche, ce sera plus efficace que de le remonter à la main. Mais n'allez pas croire que ça veut dire que vous aurez plus de temps libre. Alors arrêtez d'écouter ce message et retournez au travail. Allez, ils sont toujours aussi chiants.
ces gens à Blackwater là, sont même désagréables d'ailleurs. Impulsion, ça c'est bon, un ventilo, système hydraulique. Qu'est-ce que c'est ça? On étend la porte, ok. On reste tranquille alors, c'est très bien. On va prendre un peu de ça. On a quelque chose là, là. Voilà, je vous dis, on loot quand même du... On loot quand même du bon là, dans cette mine là, franchement. Ventilo, tac, tac, alors j'en ai pas besoin, on va démonter tout ce qu'on a vraiment looté, donc fusil 12, tac. Antelette, ça je m'en fous. Lance-missile, je vais le démontrer après. Fusil à pompe niveau 25, la mienne aussi, le niveau 25 c'est très bien. Voilà, on va voir. Ah, petit habit qui nous encombre. Voilà. On est quoi de mieux comme ça. Voilà au dernier endroit de la mine de Blackwater. Veine d'uranium. Ah oui, on est dans une mine d'uranium, mes petits loups. N'hésitons pas à piocher de l'uranium. Ça c'est... J'y pensais même pas, je me demande s'il y avait déjà ça, mais je crois que j'ai pas... C'est vrai que je faisais pas plus spécialement attention avant. Mais en tout cas, moi je le prends avec un grand plaisir, l'uranium. Maintenant on va arriver dans un petit coin avec du méchant, logiquement. Oups, j'ai foutu ça par terre. Une mine aussi. Alors ils seraient déjà tous venus, ça serait bien s'ils seraient tous venus. Voilà, j'aurais... Je les aurais bien fait, je les aurais bien défoncés. Quand on va sauter par là, mais faire gaffe parce qu'il y a une petite... petite mare au canard là en dessous. Et généralement, ça nous arrive de tomber dedans. J'ai l'impression qu'elle a changé la mine de Blackwater. J'ai l'impression qu'elle a changé la mine de Blackwater. Non? Non, mais c'est fermé habituellement. Alors, ça va la mettre avec la baraque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que alors que le démonter, ça n'a pas besoin. Bon, bah, le missile, on va le démonter aussi. Ça n'est pas emmerdé. Et... On va. Cartouche pour l'acier, non. J'espère juste pas faire de visite impromptue ici. Il y a du méchant, là on a les foreuses. Blackwater. L'acier, j'en ai pas besoin du tout. Ciment, on les prend, soyons fous. Je gaffe aux radiations, je vais claquer. Je pas gaffe. Du ciment, ouais, ok. Camelle pour le chien, d'accord. Encore un calibre 12. On
Oh, je crois qu'on est pas trop mal, hein. Qu'est-ce que vous pensez, petit loulou? Là, il y a notre foreuse. Bon, écoutez les petits loulous, je crois qu'on est pas mal. On a chopé de l'uranium, ce qui va nous être certainement très utile. Et puis voilà quoi. Là, qu'il y a le superviseur, ça c'est bon, je vais démonter le reste du barda. Ça, je vais enlever le calibre 12 niveau 50, ok. Je comprends mieux pourquoi c'était compliqué. Et puis, par là-bas, de toute façon, je crois qu'il n'y a plus rien de spécial. Ils sont pulvérisés. Là, nous avons une super petite pioche. Poudre à canon, déchet, je peux le prendre. Là, sur le coup, les petits loups, bah, on peut se barrer. Je peux même me taper direct à la gare. Alors, allons-y. On va sortir de la mine, comme il nous a dit. Les méchants, ils sont morts. Putain, 30. Ouais, je prends des radiations, là. J'ai intérêt à me prendre un petit rat. Autrement, je vais être mal barré et... Tac. Et ben voilà, chers amis, cet épisode est terminé. Et j'espère qu'il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aller voir le suivant. Là, tout de suite, maintenant, tout de suite, maintenant. Et en attendant ça, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Donc faites comme ça. Et puis, on se retrouve au prochain épisode. Donc, tchou. Choisis Pulowski.